Hello. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Les Clés du Succès. Donc, une émission qui est dédiée à tout un chacun. Donc, mille excuses. Nous avons eu un contretemps au niveau technicité. Donc, l'émission n'a pas pu être diffusée, pardon. Donc, aujourd'hui, nous verrons l'émission de manière succincte. Donc, les clés du succès. Donc, bienvenue, bienvenido, welcome, welcome. Bienvenue dans l'émission Les Clés du Succès, une émission qui est dédiée à tout un chacun. Tous ceux qui aspirent à avoir le succès dans leur entreprise, tous ceux qui aspirent à avoir le succès dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne, dans leur vie entrepreneuriale. Donc, si vous aspirez à avoir du succès dans toutes vos entreprises, l'émission est faite pour vous, l'émission vous est consacrée. Donc, les jours passés, les semaines précédentes, nous avons traité une thématique sur l'emploi, sur la recherche d'emploi, sur l'entretien, sur le CV, sur la lettre de motivation. Donc, nous avons vu quelques lignes générales qui ont aidé plusieurs, certains qui ont témoigné du bien fondé des clés que nous avons vues ensemble, certains qui ont témoigné en inbox de tout ce que l'émission leur a apporté. Donc aujourd'hui, nous allons être sur la même lancée, nous allons évoquer le thème rebooster votre recherche d'emploi. Donc cette émission s'adresse à tous ceux qui ont envie de changer d'emploi, mais également ceux qui n'ont pas encore trouvé une activité durant le mois de novembre. Donc septembre, il y a eu la rentrée, octobre, novembre. Donc novembre, certains cherchent encore de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous allons traiter cette thématique ensemble de façon succincte. Je vais vous donner des grandes lignes générales qui vont vous aider à optimiser votre recherche et à la rebooster. Donc je vous encourage à ne pas être du tout, à ne point être fatigué par rapport à cette recherche, car ça peut être fatigant et éprouvant parce que vous n'avez pas encore de réponse, vous n'avez pas encore de soutien par rapport à votre recherche. Donc, ne désespérez point, vous allez certainement trouver chaussures à vos pieds. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques clés pour rebooster la recherche, enfin, votre recherche d'emploi, pour la redynamiser. Donc, il faut savoir. La concurrence sur le marché de l'emploi est de plus en plus rude, c'est sûr. Il y a de nouveaux métiers, notamment sur Internet, c'est vrai. Et effectivement, certains aspirent à travailler via Internet, d'autres aspirent à travailler, se lever le matin. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas voir forcément le travail via Internet. Nous allons voir une autre fois cette thématique. Mais il faut savoir que malgré tout, il faut rester optimiste, hein, quelle que soit votre recherche, quel que soit votre pays, votre continent. Donc, comment se démarquer des autres candidats? C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble quelques conseils pour se démarquer des candidats, pour pouvoir rebooster sa recherche d'emploi, pour pouvoir la redynamiser, pour pouvoir vraiment lui donner encore une autre pêche. Donc, il faut savoir qu'il faut se fixer. Si effectivement vous ne vous fixez pas un cap, vous ne vous fixez pas un but à atteindre, vous n'aurez jamais le travail ou le métier que vous voulez ou dont vous avez besoin. Et ce dont vous rêvez forcément. Donc il est important, je verrai les grandes lignes de manière succincte. Aujourd'hui, l'émission sera courte, sera succincte, mais sera efficace pour vous aider encore à avancer dans cette thématique, pour vous aider à optimiser. Donc je profite pour féliciter en passant tous ceux qui ont trouvé du travail suite à cette émission, tous ceux qui ont pu rebooster, qui ont pu revoir, recadrer leur lettre de motivation, leur CV, qui ont pu se réajuster au niveau de leur entretien d'embauche. Vraiment, je me remercie pour leur témoignage et je vous invite à continuer à persévérer de façon à atteindre vos objectifs. Donc, il est important de se fixer un objectif, un cap, de façon à l'atteindre. Donc, définissez vos ressources, définissez le type de métier, le type de travail dont vous rêvez, le type d'entreprise dans laquelle vous voulez travailler et nous verrons ensemble quelques points qui vont vous aider. Donc, ça va vous éviter de vous disperser, bien sûr, dans des efforts inutiles. Donc, l'important de se connaître, de connaître ses capacités, de connaître ses compétences et de connaître également ses qualités et ses défauts. Ça, c'est important. Donc, il est important de faire votre bilan, faire votre bilan, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous savez faire, ce que vous n'avez pas à faire, vos compétences, comment vous êtes, vos qualités, vos défauts, votre expérience, vos connaissances. Donc, il faut prendre le temps de faire le tour de vous-même, demandez à vos familles, demandez à vos amis de vous aider dans cette démarche et vous verrez qu'elle sera que bien plus bénéfique. Connaissez aussi vos limites, n'est-ce pas? Connaissez vos limites,
votre distance, votre mobilité, jusqu'à quel point, jusqu'à quel endroit vous voulez aller. Êtes-vous capable de travailler à 100 km, à 200 km, de prendre l'avion ou encore de prendre le TGV pour aller travailler ou de partir le matin à 5h ou 4h du matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder vos enfants ou pendant que vous travaillez à temps plein? Donc, c'est important de reprendre, de prendre conscience de tous ces éléments de façon à justement optimiser, rebooster votre recherche d'emploi. C'est important. Donc, êtes-vous prêt à travailler à l'étranger? Ça aussi, c'est une question qui est aussi ultime. Hein? Êtes-vous prêt à travailler à l'étranger? Êtes-vous prêt à déposer un dossier d'immigration et partir à l'étranger à l'aventure pour travailler de façon à mettre vos compétences au service de plusieurs ou de mettre justement tous vos talents au bienfait d'une population ou d'une population ciblée? Donc, il faut bien faire son bilan. Faites votre bilan. De même que certaines entreprises, certains cabinets de recrutement ou encore un certain coach vous demanderont, il faut faire un bilan. Prenez le temps de faire votre bilan. Aidez-vous de vos amis pour faire votre bilan de façon à bien définir le type d'emploi, de façon à bien définir ce que vous recherchez vraiment, de façon à répondre aussi aux questions des recruteurs et ne pas perdre du temps parce que ça vous permettra de gagner du temps, bien sûr, et de façon à optimiser votre temps de façon à être ciblé. Donc, connaître votre personnalité aussi, c'est important. Et connaître vos compétences. Connaître vos compétences, vos qualités. Donc, pour cela, il faut se fixer des objectifs précis, mesurables, bien sûr, ambitieux, accessibles, réalistes et limités dans le temps qui est impératif. Donc, ne vous donnez pas toujours des objectifs qui vont durer un an, deux ans, trois ans, cinq ans, mais des objectifs qui sont limités dans le temps, de façon justement à vous motiver, que vous ayez la pêche par rapport à ce que vous recherchez. Donc, ainsi, vous pourrez mesurer vos progrès, vous pourrez réajuster le tir si vous sentez que vous êtes écarté ou vous avez été distrait de ce qui était prévu au départ. Et si effectivement vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances, vous avez le moyen de reprendre rapidement, de vous réajuster très, très rapidement. Donc, je ne cesserai jamais de me répéter, les candidats qui connaissent l'entreprise, qui veulent là où ils veulent travailler, marquent des points. Donc, si vous connaissez, vous avez la connaissance de l'entreprise à laquelle vous voulez travailler, ce sont des points que vous marquerez par rapport à plusieurs. Renseignez-vous sur l'entreprise, prenez des informations, interrogez-vous, allez sur Internet. Nous avons aujourd'hui une technologie qui nous permet d'avoir plusieurs informations, qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Utilisez-la de façon efficiente, vous verrez, vous aurez de bons résultats. Donc, approchez-vous d'une personne, si vous le pouvez, qui travaille dans le cadre de cette entreprise, vous verrez que ça ne peut être que bénéfique. Pourquoi? Parce que le recruteur ne vous engagera pas pour vos beaux yeux. Le recruteur ne vous engagera pas pour votre sourire, même si le sourire est très important. Le recruteur ne vous engagera pas pour votre belle apparence, non? Le recruteur ne vous engagera pas pour votre beau style vestimentaire. Ça compte aussi, bien sûr. Cela a de l'importance également. Mais il est important de savoir où on met les pieds, où on veut travailler, dans quelle entreprise on veut travailler. Donc, il faut comprendre qu'une personne qui a déjà une connaissance de l'entreprise ne pourra qu'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Ça, c'est clair. Si vous renseignez au préalable, avant l'entretien, vous ne pouvez qu'apporter qu'une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, utilisez tous les moyens à votre disposition. Vous avez Internet, vous avez la presse, vous avez le téléphone, vous avez vos contacts, vous avez votre réseau, vous avez les réseaux sociaux, faites un tour du côté de l'entreprise, renseignez-vous auprès des salariés, si vous avez quelques noms que vous connaissez, pour voir à quoi les employés ressemblent, quelle est leur éthique, quelle est leur culture. Renseignez-vous. Vous connaissez peut-être des gens qui peuvent vous ouvrir les portes. Vous avez Facebook Live, vous avez Twitter, vous avez aussi votre voisin, votre cousine, votre meilleur ami, votre ancien copain de classe ou quelqu'un qui est dans l'entreprise certainement qui pourrait vous donner les quelques éléments dont vous avez besoin. Donc, il faut pour cela vous préparer à votre entretien d'embauche, bien sûr, pour tout ça. Donc, cela peut sembler être dur au départ, mais ce n'est qu'une question de temps, d'organisation et d'anticipation. Certainement, vous avez déjà envoyé plusieurs lettres de candidature, donc j'encourage tous ceux qui ont envoyé plusieurs lettres de candidature qui n'ont pas encore de réponse favorable, persévérer. Même si vous n'étiez pas le meilleur candidat, mais au moins vous avez une réponse négative, vous n'avez pas à attendre sous cette entreprise, mais vous pouvez encore continuer votre recherche. Donc,
ne pas se décourager, je vous encourage. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des emplois suite à ces différentes séquences d'émissions qu'on a commencé depuis plusieurs semaines. Il y en a d'autres qui n'ont pas retrouvé, donc continuez, analysez vos raisons d'échec, vérifiez votre CV à jour, vérifiez si votre CV n'a pas de faute d'orthographe, votre lettre de motivation est dépourvue de faute d'orthographe, de faute grammaticale. Donc, il faut pouvoir en tirer des leçons et mesurer les entretiens que vous avez déjà passé, n'est-ce pas? Vous verrez que vous serez beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace et beaucoup moins stressé quand vous viendrez à l'entretien. Donc, les erreurs commises ne sont que des erreurs pour vous permettre d'avoir reculé pour mieux sauter. Et donc, vous allez ainsi améliorer votre CV, votre attitude lors des entretiens et vous verrez que vous serez engagé. Donc, si vous sentez que c'est dur pour vous, que vous n'y arrivez pas, que vous êtes au bord du découragement, faites-vous accompagner par un coach, gagnez du temps. Parce que la personne vous donnera les outils performants dès le départ, elle vous coachera. Ça coûte moins cher que vous le croyez, sachez-le. Et ça vous permet de gagner du temps. Donc, il faut savoir que le coach vous aidera à travailler au départ sur votre projet. Il vous donnera un feedback, ce qui vous donnera à poser les bonnes questions. Et vous donnera également des solutions. Il vous donnera à trouver des solutions, des méthodes d'action de façon à réussir. Donc, c'est un petit investissement, certes, mais qui a sa portée, qui a vraiment des conséquences que bénéfiques là-dessus. Donc, reprenez vos stratégies. Donc, ciblez bien votre stratégie, première des choses. Ciblez votre stratégie d'action. Après avoir défini votre stratégie, après avoir fait votre bilan de compétences, votre bilan de qualité,